L'objet de ma recherche, c'est vraiment de comprendre les bases du comportement humain. On voit quelque chose et ça nous inspire. On veut comprendre pourquoi. Pourquoi une malade ou une personne, un enfant, ou quoi que ce soit, qui que ce soit, se comporte d'une certaine façon. On veut approfondir, on va trouver des moyens de mesurer de façon scientifique ce comportement qui nous intéresse. Mais plus profondément, on veut étudier les bases neuronales, comment dans le cerveau, les voies cérébrales qui correspondent à ce comportement. Et c'est évidemment, tout ça commence avec quelque chose. Je peux dire que tout ce que j'ai fait, ça commence avec quelque chose qu'une personne a fait ou une façon d'agir qui a excité ma curiosité. Et c'est toujours la curiosité qui me pousse à faire des recherches plus profondes. En ce moment, vos lumières, vous les braquez sur quel aspect du comportement humain, par exemple, Mme Milner? Là, je cherche. La plupart de mon travail est basé sur l'étude de la mémoire, parce que j'ai eu l'occasion, la richesse d'étudier des malades qui ont montré le gros trouble de l'amnésie après quelques interventions chirurgicales. Mais la chose qui m'a toujours passionnée, c'est un peu le rapport entre les deux hémisphères du cerveau humain. J'ai passé mes premières années à l'Institut neurologique en faisant le contraste entre les capacités plutôt d'habitude chez la plupart de nous, de l'hémisphère gauche pour le langage, les mathématiques, tout ça. Tandis que pour l'hémisphère droite, qui m'intéresse beaucoup parce que j'ai un mauvais hémisphère droite, je trouve que pour l'hémisphère droite, il y a les capacités pour plus artistiques, pour la compréhension de l'espace, pour la perception, tout ça. Mais là, on peut étudier l'un ou l'autre, et surtout avec le travail de Roger Sperry, j'ai vu ces malades en Californie qui ont subi une séparation des deux hémisphères. On peut mettre en contraste chez le même individu l'hémisphère droite et l'hémisphère gauche. C'est passionnant. Mais ce qui m'intéresse maintenant, ce sont les rapports entre les deux. Il y a de gros chemins neuronaux entre les deux hémisphères. Et c'est très important que ces deux hémisphères se communiquent parce qu'on peut avoir une tâche purement verbale, mais à un certain moment, une petite image visuelle s'insère et très importante pour la solution du problème, de la question qui se pose. De la même façon, on peut avoir quelque chose purement spatial, artistique, mais à un certain moment, les mots glissent et aident. Alors nous étudions maintenant, j'ai deux élèves postdoctorales, une du Japon et l'autre des Indes, qui travaillent avec moi. Et on essaie avec l'imagerie cérébrale actuelle, parce qu'on a tant de possibilités techniques maintenant. On dirait presque trop, non? Parce qu'on est inondé de données. Il faut choisir ouais. Ce qui est important, ce qui est moins important. Mais on essaie comme ça chez l'individu intact, pas les patients, mais juste les volontiers, les élèves de McGill qui viennent dans nos appareils. On peut voir l'activité cérébrale quand on leur donne des petits problèmes de mémoire, des choses comme ça. Et pour essayer, si c'est une question où on travaille un peu avec les images visuelles et les mots, de voir un peu l'activité. Mais c'est le début seulement, on commence.